Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors Diamond Painting aujourd'hui, je suis en retard sur ma vidéo, on est le 6, donc c'est normalement la vidéo que je devais vous faire le 5, mais bon. Donc c'est la vidéo de mon avancement, de mon DP de la chaise fleurie, voilà, celle que je vous montre deux fois par mois, que je fais en duo avec Sylvie. J'ai bien avancé, bien avancé, voilà. Il me reste une ligne de 10 cm et la moitié d'une, voilà. Et j'aurai terminé, voilà, je suis contente. Alors, comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, Sylvie, pour l'instant, a mis sa chaîne YouTube en stand-by. Donc, elle ne met plus de vidéos pour le moment. Donc, elle m'a envoyé des photos pour me montrer où elle en était arrivée sur son kit. Donc, je vous ai mis au début de la vidéo, donc juste après mon blabla, je vous ai mis les photos du kit de Sylvie pour que vous puissiez voir où elle en est arrivée. Voilà, donc elle, je vous rappelle, bon, c'est exactement le même kit que moi avec le même vendeur. Sauf que le sien est fait en perles rondes et le mien est fait en perles carrées. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, elle a moins de temps pour le faire. Donc, bon, mais comme on avait dit, c'est pas une course, hein. On fait suivant le temps qu'on a et puis à notre rythme. Voilà, c'était surtout juste pour voir... S'il y avait une différence entre les perles rondes et carrées sur le résultat, voilà. Donc, on voit quelques différences. Mais bon, c'est tout. Ce n'était pas une course qu'on se faisait toutes les deux pour faire notre DP. Donc, voilà, je vous ai donc mis les photos de Sylvie au début de la vidéo pour que vous puissiez voir le sien. Et ensuite, je vous ai mis l'avancement. Alors, je vous ai mis une vidéo, comme je fais d'habitude, hein, d'un... L'avancement d'une partie, voilà, d'un objectif que j'ai fait de 10 cm sur 10, hein, comme je fais d'habitude. Et à la fin, je vous ai mis les vidéos complètes de ce que j'ai fait sur le kit. Donc, vous verrez, après, hors caméra, j'ai continué à avancer un petit peu. Voilà, j'étais lancée, donc je me suis dit, je continue un petit peu. Sinon, bah, rien de neuf, hein. Alors, ce matin, je suis allée chercher ce dont j'ai besoin pour cacher ce fameux poulailler. Je suis allée chercher mes canisses et les bordures en bois pour faire le poulailler. Mais là, bon, pour l'instant, du coup, maintenant, je ne peux pas le faire tout de suite parce qu'il fait un froid de canard, comme ça, petit canard. J'ai toujours mes petits canards. Il fait un froid de canard ici dans le nord. On a eu un petit peu de neige. Alors, la semaine dernière, il faisait 24 et là, on a eu de la neige. Youpi! Du coup, comme j'avais acheté des plantes dans la semaine pour commencer à mettre devant ce poulailler, hier soir, j'ai vite tout mis à l'abri, puisqu'elles étaient en pot, elles n'étaient pas encore plantées, pour pas qu'elles s'abîment. Et du coup, ben, ce matin, je voulais regarder pour reprendre une plante ou deux, mais du coup, j'ai dit non, je vais attendre. On verra ça la semaine prochaine, quand il fera meilleur. Je dis, je vais attendre pour les plantes parce que là, comme il fait très très froid
Et je vous dis, on a eu un peu de neige. Donc, le temps, il ne sait plus ce qu'il fait. Hein. Et ce matin, je suis allée en même temps à Action. Il me fallait des choses. Comment? Pour mon ménage. Et du coup, j'ai regardé parce que moi, mes lampes solaires que je mets dans le jardin, comme ça pour décorer, elles sont mortes. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je regarde, que je les démonte, que je regarde ce qui se passe. Mais du coup, j'en ai repris 1, 2, 3, 4, 4 ou 5. Je sais plus. Non, 4, je crois. J'en ai repris 4 à Action. Il y en avait des très belles, très très belles. Que j'ai déjà vu dans d'autres magasins, mais bon, vu le prix, non, j'ai dit non. Même que c'était du Action, c'était presque 5 euros la lampe. J'ai dit non, pas pour le jardin. Voyez, je suis fatiguée. Donc voilà, puis là, il faut que j'aménage le jardin aussi, faut que je les nettoie. Je sais pas si je vais les remettre en peinture. Je verrai. Parce que là, bah, du coup, j'ai les deux nouveaux que le voisin m'avait rachetés, hein, ceux qui m'avaient cassé. Et j'ai mes deux de l'année dernière qui me restent. Donc, je vais voir. Il faut que je jette tous les. Enfin, tous les. Il n'y en a pas plein, plein, plein. Mais vous savez, les trucs. C'est pareil, c'est les trucs Action vendés. Qu'on pique dans la terre et puis ça tourne tout seul là, les bidules là, vous savez, qui tournent avec le vent. Et ça, j'avais acheté ça et puis j'avais acheté des petits oiseaux pareil sur un pic qu'on met dans la terre, où il y avait des abeilles, il y avait des coccinelles, mais tout a rouillé, c'est complètement rouillé. Donc là, je vais les enlever, les balancer. Puis je verrai si la semaine prochaine, ou le mois prochain, je verrai. Ça, c'est pas pareil, c'est pas urgent, hein. J'en rachèterai peut-être, mais avant, je les vais les bomber, je vais les vernir parce que sinon ils vont encore rouiller. Donc, je vais vernir tout ça. Je dois vernir aussi le Bouddha que j'ai acheté pour l'anniversaire de Chouchou. Parce que lui, je lui avais acheté un grand Bouddha pour mettre à l'extérieur dans la cour. Il adore ça. Donc, pareil, je vais le vernir. Parce que celui que je lui avais acheté l'année dernière, ou il y a 2 ans, bah, il s'est abîmé. Donc là, je vais essayer de le réparer avec la pâte qui durcit, vous savez, de chez Action. Je vais essayer de le réparer avec ça. Et puis, il a un peu de peinture. Le vernir également, mais celui-là partira dans la pelouse. Voilà, ça se verra. En marchant vite, ça se verra pas. Et donc voilà, j'ai des petites choses à faire. Le mois prochain, les géraniums, je les achète pas ce mois-ci parce que c'est pareil. Hein, là, vous dites, il y a de la neige, donc il y a neigé aujourd'hui, donc on va attendre. Hein. De toute façon, il n'y a pas encore les Saintes Glaces. Hein. Les Saintes Glaces, c'est jusqu'au 15 mai. Hein. Donc, nous, ici, dans le Nord, il vaut mieux attendre. Donc, voilà. Bon, allez, j'arrête de parler jardin. Hein. On est dans le Diamond Painting. Je vais vous laisser visionner cette petite vidéo qui n'est pas très longue. Non, pas très, très longue. Ça va, j'étais gentille. Et on se retrouve donc très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Je vous souhaite bon visionnage.